Bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir choisi Destination, la méthode de français de Fluctuate pour adultes enseignée en ligne. Où et comment commencer la pratique du français? La première série d'exercices que je vous recommande tourne autour de l'alphabet. Ces exercices vont permettre très rapidement de pouvoir vous présenter et surtout, ils vont poser les fondements de la lecture. Vous êtes prêts? On y va. Il y a dans l'alphabet français 26 lettres de base. En voici le tableau. Nous allons répéter le nom de chaque lettre deux fois. Vous êtes prêts? C'est parti. A, A. B, B. C, C. D, D. E, E. F, F. G, G. H, H. I, I. J, J. K, K. L, L. M, M. N, N. O, O. P, P. Q, Q. R, R. S, S. T, T. U, U. V, V. W, W. X, X. Y, Y. Z, Z. Vous savez maintenant comment utiliser l'alphabet pour retenir le nom de chaque lettre. Vous pouvez également pratiquer la mémorisation de chaque lettre par le son que leur nom produit. C'est parti. A, A. H, H. K, K. B, B. C, C. D, D. G, G. P, P. T, T. V, V. W, W. E, E. F, F. L, L. M, M. N, N. R, R. S, S. Z, Z. I, I. J, J. X, X. Y, Y. O, O. Q, Q. U, U. Excellent. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la section dédiée aux commentaires située sous cette vidéo. Maintenant, c'est à vous. Les lettres vont apparaître aléatoirement. Lisez-les. Vous êtes prêts?
On y va. Excellent. Une dernière fois. Lisez les lettres. Ça va aller un peu plus vite. Vous êtes prêts? C'est parti. Bravo! Merci infiniment pour cette leçon. Je vous retrouve très bientôt pour notre prochaine présentation sur cette chaîne. Portez-vous bien. Au revoir!